Salut, c'est Fred. J'espère que t'as la forme. Je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère aussi que tu oses vivre ta vie un peu plus chaque jour et que ces vidéos t'inspirent de plus en plus. Merci pour vos partages, merci pour les commentaires et bienvenue aux nouveaux abonnés. Si tu ne me connais pas, je suis Frédéric Goyer, web entrepreneur, accompagnateur pour oser vivre sa vie. Et tu auras plus d'infos dans la description de cette vidéo en cliquant sur le lien qui conduit sur mon site internet osevivretavie.formator.io. Aujourd'hui, je voudrais te parler de l'égoïste généreux. L'égoïste généreux, j'adore cette formule. Penser à soi avant tout, c'est aussi penser aux autres. Tu me diras dans les commentaires ce que ça t'évoque tout ça. Je suis pressé de te lire. L'idée, ça va aussi dans le même sens que l'adage qui dit aide-toi et le ciel t'aidera. Tu sais, c'est ce truc qui dit que avant, pour pouvoir aider pleinement une personne, il faut s'aider soi-même pleinement. Tu vois, par exemple, pour un cas vraiment concret, moi je suis nul en mécanique, ok? Si mon voisin il vient me voir et me dit, hey, tu peux m'aider à réparer ma voiture, je ne vais pas être capable de l'aider, tu vois. Et si je suis pris dans une certaine forme de culpabilité à me dire que oh, je ne peux pas le laisser galérer, tout ça, alors bah, je vais essayer de l'aider, tout ça. Je peux prendre le risque de faire une connerie en fait sur sa bagnole, ou qu'on passe trois plombes à démonter des trucs, machin, chercher pour finalement rien réparer, et puis qu'il soit obligé quand même d'aller au garage. Donc finalement, je vais lui avoir fait perdre son temps plus qu'autre chose. Donc il va falloir déjà peut-être que je m'aide moi, ok, pour cet exemple. C'est juste pour un exemple, ok? Donc disons que si je m'aidais moi en premier, bah, je vais me former en mécanique, ok? Et une fois que je serai bien en mécanique, là, je pourrais aider convenablement mon voisin s'il vient à me demander de réparer sa bagnole. C'est juste pour l'exemple, ok? Je vais pas, je réalise, je sais très bien le temps que nécessite une bonne formation en mécanique, donc voilà. Mais c'est juste pour comprendre cette notion que penser à soi, c'est aussi penser aux autres. Quelqu'un, je sais pas si tu connais des gens comme ça, peut-être que c'est ton cas, tu sais. Moi, j'ai vu beaucoup, j'ai accompagné beaucoup de personnes qui étaient dans cette situation où est-ce que elles étaient là, elles étaient disponibles pour tout le monde, elles aidaient tout le monde, elles étaient toujours pour les uns, pour les autres, à donner de leur personne en permanence, et elles s'épuisaient. Elles s'épuisaient. Et quand elles prenaient contact avec moi, bah, en fait, elles étaient lessivées, tout simplement. Elles étaient vraiment, ouais, elles étaient lessivées. Elles savaient plus d'une certaine manière, elles ne savaient pas qui elles étaient, elles étaient perdues dans leur vie, elles étaient fatiguées, certaines étaient même malades, parce que elles avaient tout donné pour les autres et elles s'étaient oubliées elles-mêmes. Donc, l'idée, elle est là. L'égoïste généreux, c'est ça. C'est revenir à soi. Je vais prendre soin de moi et je vais donner de ma personne à la hauteur de ce que je peux réellement donner, ni plus ni moins, en étant OK. Et si à un moment donné, on me demande quelque chose, on me demande une aide en particulier, mais je suis pas OK avec ça, je suis pas disposé pour, ou alors peut-être que j'ai encore des choses à comprendre sur moi, en tout cas, je suis pas OK avec ça, il ne tient qu'à moi d'expliquer à la personne, non, je ne suis pas la personne pour t'aider. Va voir un tel, je peux te recommander quelqu'un, ou peu importe, mais de dire non, là, je ne peux pas. Voilà. Pour autre chose, oui, mais pour ça, non, je ne peux pas t'aider. Et ce sera une façon d'aider la personne. Ce sera une façon d'aider la personne aussi. Pour ça, je t'invite à réfléchir. voilà, l'égoïste généreux. Je pensais faire une vidéo un petit peu plus longue que ça, mais finalement, bon, je crois que j'ai fait le tour. Je vais te lire ce que j'avais écrit. L'idée, c'est de penser à soi avant de penser aux autres. Voilà, en lien avec cette fameuse adage, hein, aide-toi et le ciel t'aidera. Ça aussi, ça mérite réflexion. En prenant soin de soi d'abord, en fait, notre corps rayonne de manière plus positive, ce qui impactera par la suite sur notre environnement proche et nous reviendra ensuite de façon plus abondante. Le meilleur moyen d'aider quelqu'un, c'est avant tout de s'aider soi-même. Là, t'es vraiment disponible.
Sur ce, je te laisse. Comme d'hab, je t'invite à liker, commenter, partager et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ose vivre ta vie, comme d'habitude. Merci, merci, merci. Prends soin de toi. Ciao.